Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 3 sur Watch Dogs. La dernière fois, nous avons même pas fini la première mission parce que il fallait que je trouve la clé chez l'autre là et je l'ai pas trouvée. Donc on va juste recommencer ça, essayer de finir ça. Et normalement, tout devrait bien se passer, tout simplement. Sans aucune pression, aucune. Donc, eh ben écoutez, c'est parti. Ok, bon, alors, il faut savoir que j'ai un tout petit peu joué quand même avant. Qu'est-ce que c'est ça? Oh ma planque! Alors j'ai un tout petit peu joué, j'ai juste récupéré parce que je me suis acheté une nouvelle carte. Du coup, je voulais la tester, donc j'ai joué à Watch Dogs. Et j'ai juste récupéré deux tours de Control City OS qu'il y avait ici et ici pour voir ce que c'était, voir un peu comment fonctionne le jeu, tout ça. J'ai aussi un peu joué aux échecs là-bas sur des jeux urbains, je sais plus où, là où j'étais la dernière fois. Ça doit être là. Bref! Du coup, j'ai juste récupéré ce qui m'a permis d'avoir quelques informations aussi, mais j'ai rien fait au niveau de l'histoire. Je me suis juste baladé et tout ça, testé un peu les capacités de cette nouvelle petite carte. Et donc, bah, j'ai découvert une nouvelle planque, du coup, celle où je suis actuellement. Et maintenant, on va donc retourner là-bas pour faire la mission principale et voir tout ce que tout ça donne, tout simplement. Putain, j'aime bien son install. Genre, elle est... Je sais pas. Je trouve que c'est stylé. Moi, ça me gênerait pas du tout d'habiter dans un endroit comme ça. Les blueprints et tout. Tout réglé, rangé, les serveurs, tout ça. Petit ordi, tranquillou. Classe. J'aime bien, j'aime bien. Oh, j'ai oublié un truc. Ah, mon dieu. Vite, mettons le chrono. Sinon, je m'en sortirai jamais. Je saurai jamais quand finir et quand pas finir. Donc, on réinitialise tout ça, on démarre et c'est parti. Tout simplement, sans aucune pression, aucune. Ah, un SUV, parfait. Mes voitures préférées. Ah bah ouais, ok d'accord. Je préfère quand il y a les vitres quand même, c'est plus intéressant. Alors, allons là-bas. Hop, voilà. Tout simplement. Faut que j'aille par là. Eh ben, allons par là, tout simplement. Boum. Petit raccourci, tranquillou. Ça fait quoi si je fais ça? Comme un boss. Yeah. Ok, très bien. Petite musique jazzy pour commencer la journée. Ce soir, on se retrouve. Pour la mission principale de Watch Dogs. Ah, aïe. Contrôle des véhicules, toujours aussi fun. Bien entendu. Mmh. Ah, il fallait que je tourne. Ah. Excusez-moi. J'ai fait des bêtises, comme d'habitude. Chose qui ne changera sûrement pas. De sitôt, hop là. Bon, du coup, on va conduire un peu plus doucement, histoire de pas se prendre 10 millions de voitures dans la tronche. Enfin, ça va, c'est tout droit, mais. Hop, hop, tiens. Ça passe. Easy. Un kill, ma mère. Pardon. C'est bon. Alors, il faut que je tourne ici. Hop. Ouais, ça passe. Ok. Ouais, si t'inquiète, ça va aller. Alors, là, il va falloir que je sais, je me souviens, il fallait que je passe par là. Mais avant de passer par là, d'abord je vais quand même passer par là, hop, sans que personne ne me voit, personne ne m'a vu, tout va bien. Tout va bien, je vais me cacher ici, hop, je vais juste, faudrait que je capte une caméra. Là. Caméra là, voilà. Hey, gros. Tu la vois pas, c'est ça? C'est ton problème? Non, ça, ça sert à rien. Oui, oui, je sais que je suis dans une zone interdite. Merci, bonhomme. C'est bon, je peux la prendre la caméra là? Je suis assez près. Bon, très bien. Alors, on va pas faire tout exploser tout de suite comme la dernière fois. On va commencer par rechercher où est-ce qu'on peut trouver un garde avec. Diversion, non. Avec la clé de sécurité pour pouvoir rentrer. Tout à fait, Thierry. Ah, lui. Non, ça c'est pour faire une diversion. Je m'en fous, je vais pas faire une diversion. Je veux trouver quel est le bonhomme. Ah merde, c'est la caméra du mec. Ben voilà, j'ai l'air bien malin maintenant. Je peux pas tourner, je peux rien faire. Très bien. Et est-ce que je peux, par exemple... revenir en arrière, je suis obligé de tout me retaper.
cristal, sa femme. Non, mon âme. Alors, caméra. Où est-ce qu'il est? Hein? Le garde avec le code d'accès. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Une caméra 360, ce sera pas dégueu. Diversion. Peut-être là-bas. Lui peut appeler des renforts. Membre de Fight Club clandestin. Fight Club clandestin. Stylé. Stylé. Achète des jeux vidéo au campus Ilmo. Ouais, bah écoute. Je crois qu'on est un peu tous dans le même cas, hein. Oui, bah écoute, je sais pas moi. Où est-ce que je peux trouver. Où est-ce que je peux trouver, dis donc. Quelqu'un qui a les codes d'accès. Qui a les codes d'accès? Toi, t'as les codes d'accès? Tu peux appeler des renforts. Non, t'as pas les codes d'accès, toi. Qu'est-ce que... Hey, c'est quoi ça? Vulnérabilité détectée, routeur sécurisé du bâtiment. On y a l'accès au réseau internet, c'est bien ça. Si je pouvais aller jusque là, peut-être que je pourrais accéder au code d'accès au final. This city's buggy as shit. Ouais, j'avoue. Surtout avec moi en commande. Ah, lui! Lui, il a utilisé le code d'accès pour accéder au serveur. Et maintenant, il faut que j'aille là-bas, du coup. Faut que je retourne de l'autre côté. Et comment je fais, hein? Ou il faut que j'aille moi-même, c'est ça? Je peux pas y aller avec les caméras? On va essayer quand même. Mais bon, ça me paraîtrait un petit peu gros quand même, en mode. Bon, moi je contrôle les serveurs avec une caméra, y'a pas de soucis. Elle est où la caméra? Non, c'est la caméra du mec, on s'en fout. Caméra numéro 1. Ah non, c'était avec le mec que j'ai été allé en fait. Bon, très bien. On va donc essayer de passer. Alors, on va monter. D'abord, il faut que je monte avec ce petit élévateur. Lui, il faut qu'il aille ailleurs. Qu'il me fasse pas chier. Recèle des faux passeports. Ah. Méchant. Méchant garçon. Et pour ça, on va aller. On va aller. Attends. Hop. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Sachant que moi, je suis où, hein. Je suis là, non? Je suis pas loin. T'inquiète, tout va bien, gros. Il faut juste que je fasse une autre diversion là-bas. Non, tu peux pas, toi? Je pourrais le faire exploser éventuellement. Mais boum. Comme ça. Ah, maintenant ils vont tous se ramener ici. Moi, je pourrais peut-être passer par l'autre côté du coup. Si lui, je lui fais faire une petite diversion, je pourrais peut-être passer par là. C'est intéressant. Du coup, il y a tout le monde qui s'est ramené ici. C'est pas très mal, hein, tout ça. C'est pas très mal, hein, tout ça. Comment je vais faire, moi? Tu crois que je peux passer par là-bas, au final? Non, je peux passer par derrière. Ça, c'est pour sortir, plus que pour monter. Non, ça serait pratique, ça, pour entrer dans le bâtiment. Passer par là. Pour ça, il faudrait que je passe tout simplement par l'entrée. Attends, je peux ouvrir cette porte, là? Non, je peux pas, je pense. Peut-être que lui, je peux lui faire une diversion, genre, et passer. Je vais essayer de faire ça. On va sortir. Par où? Bah, je peux pas sortir, du coup. Haha. J'ai rien. On va descendre ça, déjà, de base. On va se mettre à couvert ici. Non, elle le fera pas encore, t'inquiète. Faudrait que je puisse les distraire. Non. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. C'est. Hop. Merde, il y a des gens qui me voient là. Oh là, oh là. C'est la fuite. Oh, et merde. Bon, bah c'est raté. Très bien. C'est excellent. Et voilà, je suis mort. On va essayer de passer par ailleurs, du coup, hein. Tout simplement. Est-ce que je peux éventuellement passer par cette porte? Ah, mais oui, je peux déverrouiller la porte.
Oh, bah c'est nickel ça! Parfait! Elle est où la caméra? Là. Voilà. Bon, bah on va quand même récupérer le code d'accès du garde. Qui était donc. En bas, je crois. Non, attends, il était où déjà? C'était lui? Souffre de troubles de personnalité. Non, c'était pas lui. C'était là-bas, je crois. Non, c'était pas lui. Je crois que c'était là, non? Ou je suis fou? Serais-je fou? Passionné de char d'assaut. Bah, il a changé depuis tout à l'heure, lui. Il était pas passionné de char d'assaut avant. Non, mais il est où, du coup? Il est passé où? Attends, c'est quoi ça? Un truc que je peux récupérer? Ah, merde! Tiens, pourquoi je suis mort? C'est chiant. Qu'est-ce que je fais? Mais non, mais... Fuck! Fuck me! Lui, ceinture noire d'Armacio. C'est cool, gêne ta vie. Ah, c'est lui maintenant? Peut-être que ça a changé du coup. Diversion, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. Smartphone, vulnérabilité. Ok, pourquoi pas. Putain, ça fait deux fois que je me fais avoir par... Putain de merdouille. Ah. Allez, j'étais arrivé tout à l'heure, c'était qui déjà? Je suis débile ou quoi? Ah mais c'est peut-être lui là. Envoie pour manquement à l'honneur. Non mais c'est pas eux. C'est pas eux, bordel de Dieu. C'est pas lui non plus. Attends. Non. Non, 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 non. Caméra, caméra. Intérieur, caméra, intérieur. Ah, mais c'est pas possible, je les ai tous vus, là. C'est lui ? Porte une caméra cachée. Sous contrôle fiscal. Non, mais non. C'est lui, alors. Faire exploser. Non, plus. Putain, mais c'était qui ? C'était pas lui. Je suis fou, sérieux. Ah mais non, attends. Ah mais non, mais c'était pas une personne, en fait. Si, juste une personne. Ou c'était un... Je sais pas. Je suis perdu. Je suis perdu. C'était pas genre... Oh, putain. Et je viens de le faire, pourquoi je m'en souviens pas? C'est une blague. Terrible, ce qui m'arrive. Je porte une caméra cachée, ouais je sais, mais ça me sert à rien. Ah c'est lui. Ah mais oui c'est lui, putain. Il était perdu là debout là. Génial. Bon du coup. Du coup je vais juste déverrouiller ça. Pour pouvoir passer. Je vais distraire le bonhomme en déclenchant l'alarme de cette voiture. Et en faisant monter le chariot élévateur. Voilà, très bien. Normalement ça devrait suffire. Normalement ça devrait suffire. Là j'avais vu un truc que je pouvais récupérer. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est, bon, c'est pas grave. Hop là. Ok, on va se mettre à couvert. Ouais. Qui ça? Toi? Que dalle, ouais. Que dalle. Non, faut que j'aille jusque là-bas, donc il faut que je distrais. Je sais ce que je vais faire pour la distraire. Ce que j'avais fait la dernière fois, qui était bien drôle. C'est-à-dire faire tomber cette petite grue. Dommage. Ah, je peux pirater ça. Connecter aussi, ouais. Et moi, je suis là-bas.
crois que je peux en faire péter un, non? C'était lui là-bas que je pouvais faire péter. Ok. Oula, dangereux pour moi ça. Oh là là là, mais quel con, je me suis trompé de touche. Fuck me. Ok, ça va être très compliqué là. Ça va être plutôt compliqué cette affaire. Bon. Alors. Hein? Mm-hmm. Vas-y, ressort. Ressort. Ouais. Si, tu sais. Ah! Il m'a fait flipper lui! Putain, j'étais presque! Je suis dégoûté! Oh, j'ai cliqué sur ma souris sans faire exprès. C'est trop de la merde! Bon, on recommence. Cette fois-ci. Cette fois-ci, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc, tout va bien. Il faut que j'aille là-bas. Et le mec, il est derrière ce putain de mur bâtiment là. Caméra. Non, c'est pas lui que je veux. C'est pas cette caméra là que je veux. Il est là-bas. Il faut que j'aille choper cette caméra là. Voilà. Tiens. Foiré. Foiré. Foiré de foiré. Ok, maintenant pour que je passe ici, il va me falloir. Je veux aller sur cette caméra là. C'est possible? Allô? Allô? Voilà. Très bien. Il y a lui que je peux faire un petit peu. Que je peux perturber en faisant comme ça. Et lui en faisant comme ça. Hop. Et maintenant, je peux passer tranquille normalement. Ou pas. Non, je vais passer par là. Hop. Là, j'étais bien tout à l'heure quand même. Je vais rester là. J'ai resté là, mais il faut vraiment que j'arrive à. Bon, déjà, je vais tuer les deux là avec la grue. Ce sera ça de moi à faire. Hop. On va récupérer cette caméra, on va le faire exploser. Boum. Voilà, très bien. Après. Qui c'est qui tire et pourquoi? Ah merde, on me voit là! Putain, fait chier! Quel con! Oh putain, je vais jamais y arriver, sérieux, c'est trop de la merde ce que je fais. Vas-y, c'est bon, il m'en reste pas beaucoup là. Oh, ce coup de cul que j'ai eu, quoi. Trop drôle. Trop bien. Putain, ils apparaissent tous en mode... Salut. C'est bon, ils sont tous morts, là. Tranquille. Bon, bah parfait. Excellent. J'aurais dû faire ça depuis le début, la méthode barbare, quoi. Voilà, hein. À quoi, pourquoi se faire chier à pirater des trucs et tout? C'est bon, tu fais juste ça, et puis voilà, ça se passe nickel. C'est ça. Ok. Hop, hop. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Et comme ça. Et ce sera très bien. Est-ce que ça suffit? Non, toujours pas. Je peux pas le bouger, lui. Hop. Ok, je suis dans les serveurs maintenant. Piratons ça. Déverrouillons ça, je sais pas, moi j'appuie sur tout, j'appuie sur tout. Je fais A sur tout, comme ça. Ouais. Ouais, je suis un badass. Profiler systems online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could be fixers in the network.
If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I mean, a lot of noise here. Ouais, un peu, ouais. J'étais assez discret, mais pas trop sur la fin. Très bien. Et je peux me réintroduire, genre, pour trouver d'autres trucs. Je sais pas, par exemple. Hop. Hop. Tiens, on m'appelle. Ouais. No. But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to dig his way out of the guest room. So I need to move him. Now I could pass this problem on to you, since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you... All right. Fine. I'll handle it. Well, no, don't let me put you out. I said I'd handle it. It's a job. Exactly. It's a delivery job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Just keep in mind my reputation's on the line here. He's paying top dollar for the best driver in Chicago. Then he's in luck. Ok. C'est bon, je l'ai fait là. Parce que je sais qu'il y a moitié des trucs que je fais, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave, je le fais quand même. On sait jamais, ça peut être utile. On va ouvrir cette barrière et sortir tout simplement. De manière... je peux pas ranger mon arme là, vite fait ? Si. Très bien. De manière tout à fait correcte. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on a accès, du coup, au tout le CityOS, enfin toutes les bornes de CityOS de ce passage. Et ça, c'est cool. C'est ce que j'ai fait la dernière fois, ce que je vous disais. Débloquer les tours, les points d'intérêt, les tours CityOS. Ce qui me permet d'avoir des informations supplémentaires sur tout ce qui se passe sur ce quartier. Et du coup, c'est cool. Du coup, maintenant, ils veulent que je fasse quoi ? Mission principale, conduite accompagnée. Bon, alors avant, je vais vous montrer comment ça marche et je vais aller récupérer ça, tout simplement. On va piquer une voiture. Qu'est-ce que je vais prendre comme voiture ? Prendre la jaune là-bas, là ? Il y a un aileron arrière, ça veut dire que c'est une bonne voiture, c'est ça ? Parce que moi, je m'y connais en voiture, pas vu. Hop ! Désolé, j'ai passé. Allez, salut les gars. Boîte à gants fouillée, élément... Putain, on peut vraiment trouver des trucs partout, ça c'est cool par contre. Alors, j'ai remarqué un truc dans ce jeu qui est bien, c'est que tu peux vraiment trouver des trucs partout, comme un peu comme dans la vraie vie, tu vois. Genre, tu rentres dans une voiture, bah voilà, il fouille dans la boîte à gants et il trouve des trucs, quoi. Je trouve ça plutôt stylé. Et plutôt bien fait, du coup. Elle est bien cette voiture. Je trouve que c'est pas mal. Ma conduite actuelle était pas dégueu. Pas dégueu. Bon, alors, du coup, il faut que j'aille là-haut. Bon, bien sûr, je vais pas y aller par la porte avant. Hein. Évidemment. Il faut que je trouve un moyen, donc logiquement c'est un peu comme des puzzles en fait. Là si je fais W... je peux savoir, toi t'es une prostituée, ok très bien. Et toi t'es inscrit sur 5 sites de rencontres. Oui bah écoute, du coup, très bien. T'as vraiment un manque important dans ta vie j'imagine. Alors on va aller là-haut. Hop, il faut que j'aille sur cette tour là, on va voir. Parce qu'en fait, sur chaque tour de contrôle il y a ça là qui me permet d'ouvrir la porte, il faut que je suive le câble et que je déverrouille ça. Eh ben écoute, c'était plutôt simple. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est monter là-haut. Et comment je vais faire ça ? Hein ? C'est une bonne question, ça. Là, je peux déverrouiller au CS. Ok, très bien. Je crois qu'il faut que je passe par là. Mais comment je fais pour aller ? Ah, là, il y a une porte. Que je viens de déverrouiller, d'ailleurs. Ok, donc ça doit être pas par là, du coup. Peut-être par là. Planque de gang. Ouais, on verra plus tard pour la planque de gang. D'abord, moi je veux récupérer cette tour. Ah voilà, c'est par là. Salut les gars. Ça va, tranquille. La vie, tout ça. Du coup, c'est par là. Bah, attends. Ah mais oui, d'accord, c'est... Moi je l'ai vu de l'autre côté. Donc, je pensais qu'il fallait que je passe par là, mais en fait il fallait que je rentre par là. Tout simplement. Et une fois que je suis là, je peux pirater la tour CityOS, tout simplement. Et je vais récupérer plein d'infos sur le quartier. Ce qui est plutôt pratique, n'est-ce pas? Dac. Petite animation. Voilà, j'ai récupéré pas mal de trucs, genre des... Et je crois que les yeux, c'est des indices sur ma mission. Enfin, voilà. Bref, genre là, par exemple, c'est ça, c'est... Collecteur? Attends, c'est quoi? Intrusion, vie privée. Pirater système de sécurité des immeubles pour satisfaire votre curiosité.
Ah oui, d'accord, c'est juste pour faire un... Ah non, l'œil parce que je suis un voyeur, en fait, tout simplement. Ok, bon, bah, c'est juste pour ma curiosité personnelle. Très bien. Ça, c'est quoi? Point d'intérêt. Publier le check-in au point d'intérêt de la ville. Découvrir l'histoire. Hey, j'ai pas fini de lire, arrête de bouger. L'histoire de Chicago et de nombreuses infos, remportant des badges, laisser des cadeaux à d'autres joueurs. Ça, c'est pour le online, ça. Fou, moi. Ouais, ça me permet aussi de savoir où étaient les distributeurs, ce genre de trucs. Enfin bref, voilà, c'est les petits trucs cool. Un peu comme Assassin's Creed où tu montes sur la tour, quoi. En gros, tu récupères plein d'infos sur plein de trucs différents. Voilà, donc maintenant on va reprendre la mission principale. On va essayer de faire celle-là avant la fin de mes petites 30 minutes. On va essayer de descendre de manière... Attends, de manière sans se faire trop mal. C'est-à-dire pas par là. Bon bah on va retourner là où on vient. Tout simplement. Tout simplement. On va sauter là. Hop! Et là. Hop là! Et on verra plus tard pour les trucs de gang et tout. Je vais pas trop faire les missions secondaires, je vais me concentrer sur la mission principale. Ça va être mieux. Ok, allons-y. Attends, je vais mettre un petit GPS parce que je ne connais pas la ville encore. N'est-ce pas? Ça c'est pour le plan de gang, ce que j'avais vu tout à l'heure. Hop. Ouais, quand tu tues des innocents aussi, tu genre ça va pas. Ça te fait perdre de la réputation. Enfin, tu passes pour un tueur, quoi, tout simplement. Ah. Red Rift. Ok. Ah non, par contre, j'ai vraiment du mal à regarder la map et à conduire en même temps. Poussez-vous, merci, j'ai un tank, tout va bien. Hop. Et c'est par là. Tout simplement. Fréquente une mannequin roumain. Chant. Et c'est parti pour la mission. Un fixeur, j'ai dû faire trop de bruit dans le loop. Oh. This guy's found me. Well, now I better find him. Allez. Jordy's job will have to wait. Le contrat de Jordi attendra. What the fuck, friends? C'est où? Oh, pardon. Désolé, ça va, je l'ai pas tué. Le principe, c'est que je les tue pas. Je peux les pousser un peu, mais si je les tue, c'est mauvais. C'est mauvais pour moi. C'est mauvais pour ma petite réputation. Bon, avant d'entrer dans son réseau, je vais sortir, tout simplement. Et maintenant, on va aller là-haut. Non, mais attends, deux secondes. Avant de monter, please. Voilà, merci. Trop rapide le bonhomme. Ok, tout ça pour ça, très bien. Donc, il doit être dans le coin. Piratage en ligne, piratage par l'ennemi. Un fixeur a accepté un contrat de piratage en ligne et doit voler des informations en votre possession. Trouvez le fixeur responsable de la tentative de piratage. Votre rival peut se trouver aussi bien au-dessus qu'en dessous de vous, sur un toit, dans un véhicule ou encore parmi les passants. Ah ok, donc il faut que je le trouve de manière avec mon profiler, quoi, tout simplement. He's trying to hack in. Maybe if I trace his signal back, I'll find him before he breaches my phone. Ouais, je veux bien. Mais comment je fais? Faut que je le trouve quand même, au bout d'un moment. Sur un toit, un véhicule, n'importe où. Je pense qu'il est sur le toit, je vais quand même aller sur le toit. Aujourd'hui, elle est en voiture, ça aurait été plus rapide. Ah bah ouais, sinon je prends ce chemin là, ça va peut-être mieux. Pour les piétons quoi. Normal. Il a pas l'air d'être ici hein. Bonhomme. Bon ok. Ok, du coup. Narrow the search area. Come on Aiden, find him quick. Hop. Ce sera plus simple comme ça. Boum. Voilà. Non, je vais juste descendre hein, tranquillement hein, sans pression. Pas le hacker. Pas le hacker, pas le hacker. Pas le hacker. Pas le hacker. Come on. Il doit être tout seul, non? J'imagine.
quelque part. Non. Non. Ah, gauche. Où est-ce qu'il peut bien être? C'est lui là-bas? Non. Ah, il y a du monde partout. C'est chaud. Pas le hacker. Il est à 63%, je vais finir par me faire pirater moi si ça continue. Je crois qu'il est là-haut. Non. Il est où ce con? Ah c'est... non, c'est pas lui. Bon, c'est pas lui, mais je l'ai piraté quand même, tant pis, c'est pas grave. Oui, bah oui, je vois bien, oui, il est presque là. Ah, c'est lui. You're mine now. Mais poussez-vous, la bande de camions. Sérieux? C'est une blague. Tu t'échapperas pas, mec. Tu t'échapperas pas, je te dis. Je vais t'attraper. Ouais, c'est pas grave, je m'en fous de la police. Moi, ce que je veux, c'est lui. Ouais, si, toi. J'aurais dû le tuer direct. Je savais pas, je pensais que. Genre, j'aurais pu éventuellement. C'est vous. Aïe. Mais il va s'échapper. Mais je suis... C'est une blague, je vais pas y arriver. Réussite partielle. Putain, fais chier. Bon, bah écoute, tant pis. Oh non, faut que je m'enfuis. Avec cette voiture toute pourrie. Bon, j'aurais dû le... débloquer de nouvelles compétences à mesure que votre truc... Il va falloir que je m'enfuis tout simplement. Comment faire? J'aurais dû le tuer direct. Je pensais qu'il y avait un autre moyen, genre, tu sais, que je l'arrête, que je lui dise genre stop, arrête de maquer, tu vois, je l'interroge ou quoi, tu vois. Mais au final, bah, pas du tout, quoi. Genre pas du tout. Merci. Je passe. Oh, ils sont où les bornes là? J'ai pas pris cette compétence pour rien. Il me faut des bornes. Voilà, comme elle. Hop, tout simplement. Ouais, toi t'es mort, mais pas moi. C'est fini ça quand même. Hop, et voilà, on va pas le suivre, gros. J'adore ces bornes, c'est beaucoup trop pratique. Oh, cette voiture c'est bien bien de la merde. Hein. Putain. Bon maintenant on se casse. Easy peasy. Voilà. Et maintenant je vais me cacher. Très bien. Et ouais, mais ça t'étonne. I remember right. These guys communicate through the grid. Sur ce, je vais m'arrêter là et je ferai quelques petits contrats en ligne juste après dans la suite de cette série de deux épisodes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut !